Fulcanelli, l'adepte invisible. Au terme de notre étude, nous voudrions revenir sur la destinée posthume de Fulcanelli et de son œuvre. Posthume, certes, dans la mesure où de même qu'il n'est pas exclu que telle paroisse française conserve le souvenir de sa naissance, il pourrait bien se faire aussi, après tout, que tel cimetière national abrite sa sépulture. Et puisque son véritable maître en alchimie fut, paraît-il, le frère bénédictin d'Erfurt, acceptons qu'il ait pu connaître un sort semblable au sien. Basile Valentin reçoit la couronne de l'adepta des mains de la nature, de la Vierge toute-puissante sans qui l'Église ne saurait être. L'emblème de l'insigne royauté fait mourir le moine alchimiste au monde ordinaire du plan misérable à trois dimensions là où le pleurent maintenant tous ses frères en religion, explique ainsi Eugène Cancelier dans sa troisième préface « Aux demeures philosophales ». Quant à la question de l'identité de l'adepte, qui taraude encore tant d'infatigables chercheurs ou historiens, écoutons ce que le même Cancelier écrivait longuement à propos de celle de l'auteur des « Douze clés » il ne nous apparaît pas indispensable de savoir précisément qu'il ait été celui ci ou celui là, que sous l'anonymat inéluctablement imposé par la loi traditionnelle, il se soit trouvé solitaire ou collectif, quand l'œuvre seule compte à nos yeux, quand nous estimons, de surcroît, profondément puéril et illusoire ce souci primaire agitant ceux là, toujours trop nombreux, qui veulent à toute force épingler un état civil sur la personnalité sociale volontairement abolie de quelques philosophes désormais libérés des vanités du monde. Évidemment, plus de secrets lourds à porter et difficiles à défendre contre la malice et la méchanceté, pour l'Adepte qui s'est débarrassé de la vieille dépouille humaine, qui jouit de l'invisibilité et de l'ubiquité uniquement dévolue aux membres de la Rose Croix, ainsi qu'à ceux de l'universel Héliopolis, l'oubli n'est-il pas inhérent désormais à son corps glorifié, comme il le serait à l'homme affranchi de tout son passé-même. Sur ce point de l'ultime obédience, Philalète avertit l'inquisiteur de la science au nom des sages, ses frères. Ici, instruits des dangers, nous avons décidé de nous cacher et nous communiquerons avec toi, qui rêves d'un tel art afin que nous voyons ce que tu trouveras pour le bien public lorsque tu seras adepte. Nous dit Eugène Cancelier. Cancelier a bien sûr été encore plus net s'agissant de son maître en alchimie. Pour lui, non seulement il est hors de question de dévoiler son identité, mais il est même définitivement exclu qu'elle soit un jour publiquement connue, puisqu'il nous dit dans sa seconde préface au mystère des cathédrales. Dès la réunion de la première partie de ses écrits, le Maître manifesta sa volonté absolue et sans appel, que resta dans l'ombre son entité réelle, que disparut son étiquette sociale définitivement échangée contre le pseudonyme voulu par la tradition et depuis longtemps familier. Ce nom célèbre est si solidement implanté dans les mémoires jusqu'aux générations futures les plus lointaines qu'il est positivement impossible qu'on lui substitue jamais quelque patronyme que ce soit, fût-il apparemment certain, le plus brillant ou le mieux préconisé. En fait, Fulcanelli lui-même avait d'avance clairement et directement fait en conclusion de ce même ouvrage une obligation intangible de l'anonymat dévolu à l'adepta, puisque le livre se termine par ces mots qui ne sont suivis que du fameux écu final. Quand le succès aura consacré tant d'années laborieuses, quand ses désirs seront accomplis, le sage, méprisant les vanités du monde, se rapprochera des humbles, des déshérités, de tous ceux qui travaillent, souffrent, luttent, désespèrent et pleurent ici-bas. Disciple anonyme et muet de la nature éternelle, apôtre de l'éternelle charité, il restera fidèle à son vœu de silence. Dans la science, dans le bien, l'adepte doit à jamais se taire. Force en tout cas est de constater que, jusqu'à présent, la prédiction ou le pronostic de son disciple, dont l'énoncé remonte à 1957, s'avère exacte, puisqu'en dépit de leurs essais divers, y compris les plus réussis, aucun des auteurs dont nous venons d'examiner successivement les travaux n'a réussi à apporter la preuve intangible de l'identité de Fulcanelli. À l'évidence, la question suivante reste de savoir si Consolier s'est ou non un peu trop avancé en écrivant les lignes ci-dessus. Certes, les pseudonymes de certains alchimistes ont pu être percés à jour, de leur vivant ou non. Pour demeurer dans le cercle fulcanélien. Nous savons désormais que Magoffon n'était autre que Pierre Dujol. Mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là, en particulier quand on veut diriger notre regard vers de grands adeptes, comme Basile Valentin, bien sûr, mais aussi Cosmopolite ou Philalette, tous auteurs dont Fulcadelli n'a pas manqué de fortement s'inspirer. Là encore, des hypothèses existent, plus ou moins valides et même des indices parfois valables, mais d'éléments probants, point. Si on veut aller encore plus loin, on pourra bien entendu se demander d'où Eugène Conselier peut tirer sa certitude quant à cet anonymat supposément, si j'ose dire, ad vitam. Il y aurait bien, à mon humble avis, une explication à son assurance affichée, mais je crains fort qu'elle ne soit quelque part de l'ordre de la transcendance. Je me permets donc de vous renvoyer l'occurrence, à ce que j'ai cru pouvoir avancer dans mon ouvrage sur Julien Champagne, de ce miroir des sages, qui leur permettrait de voir la nature à découvert, passé, ailleurs présent et futur compris. Mais je dois à nouveau reconnaître mon absence totale d'objectivité dans ce domaine, et même ce parti pris que vous pourrez constater dès le titre de mon Présence de Fulcanelli, publié chez Arca, un parti pris qui me conduit à minorer moi aussi l'importance de l'identification de l'adepte et à majorer au contraire celle d'une influence sans cesse croissante de son opus. D'où sans doute mon intérêt soutenu, même si je n'ai pas la prétention de vouloir le faire partager à toute force, pour l'analyse de l'opus vulcanélien en tant que tel. C'est donc par quelques considérations sans prétention sur l'alchimie, du mystère et des demeures que je voudrais conclure ces quelques pages. Évidemment, ce qui frappe au premier abord, c'est le caractère monumental de l'œuvre. Au sens strict d'abord, puisqu'après d'autres, Flamel, Gobineau de Montluisant, Laborde, Cambriel notamment, quoique de façon bien plus éclatante, Fulcanelli a choisi de nous délivrer son message personnel par le truchement de l'étude de la symbolique des cathédrales de la religion chrétienne, puis des logis alchimiques laïques. Ce procédé, car son est un, lui a tout simplement permis de morceler à sa guise la révélation ainsi dispensée, de façon à rester fidèle à l'essentiel du secret auquel il était obligé, tout en incitant ainsi indirectement ses lecteurs à une étude poussée de ces deux ouvrages. C'est tout l'intérêt, encore une fois, de l'outil de travail fourni par Bernard Allieu et Bernard l'onzième Monumentaux, ils le sont aussi par l'érudition qu'ils charrient, et qui a notamment le mérite de nous renvoyer aux principaux traités du corpus alchimique classique, autrefois peu accessibles et cantonnés dans les grandes bibliothèques, et qui sont de nos jours, grâce en particulier à Fulcanelli et à Eugène Cancelier, plus facilement abordables. Comment en effet vouloir progresser dans la connaissance de l'hermétisme si l'on n'a pas lu le maître et son disciple Plus compréhensible parce que plus moderne mais qui tous deux nous renvoient également aux principaux contributeurs du passé, les Basile-Valentin, les Cosmopolites, les Limoges, les Philalètes, les Ciliani, notamment. Oui, pour nous, les livres de l'adepte constituent une somme, de nature à permettre aux chercheurs sincères de se constituer, de s'enrichir d'une encyclopédie idéale de l'alchimie. À côté de cela, on ne peut pas, on ne doit pas, négliger cette mystérieuse attraction que dégage l'opus fulcanélien, un opus qui est à cet égard si représentatif de la science. La langue de ces textes est très souvent belle, simple, élégante, et ajoute à la persuasion dont sait faire preuve leur auteur. Évidemment, l'esthétique de Fulcanelli n'est pas pour rien dans son aura, son magnétisme, une esthétique encore renforcée naturellement, par les superbes illustrations, dessins et autres la vie concoctées par l'artiste de talent que fut Julien Champagne. Finalement, il y a bien une poésie de Fulcanelli, cette poésie hermétique à laquelle Claude Diger consacra naguère toute une anthologie. Je n'en veux pour preuve que ce magnifique poème en prose de l'Adepte sur le feu, que j'ai déjà cité par ailleurs et que je ne résiste pas à la tentation de mentionner de nouveau. Tant que durera le feu, la vie rayonnera dans l'univers. Les corps, soumis aux lois d'évolution dont il est l'agent essentiel, accompliront les différents cycles de leur métamorphose jusqu'à leur transformation finale en esprit, lumière ou feu. Tant que durera le feu, la matière ne cessera de poursuivre sa pénible ascension vers l'intégrale pureté en passant de la forme compacte et solide la terre, à la forme liquide, l'eau, puis de l'état gazeux, l'air, à l'état radiant, le feu. Tant que durera le feu, l'homme pourra exercer son industrieuse activité sur les choses qui l'entourent et, grâce au merveilleux instrument igné, les soumettre à sa volonté propre, les plier, les assujettir à son utilité. Tant que durera le feu, la science bénéficiera de possibilités étendues dans tous les domaines du plan physique et verra s'élargir le champ de ses connaissances et de ses réalisations. Tant que durera le feu, l'homme sera en rapport direct avec Dieu et la créature connaîtra mieux son créateur. Et l'auteur d'ajouter aussitôt nul sujet de méditation n'apparaît plus profitable aux philosophes. Aucune ne sollicite davantage l'exercice de sa pensée. On voit là, par conséquent, au-delà de la forme qui est éblouissante, que Fulcanelli nous indique qu'au fond, nous sommes dans ce passage pratiquement au cœur de la réflexion qu'il importe de conduire à sa suite sur l'essence même de l'œuvre alchimique. Vous aurez probablement noté le rapprochement fort qui est fait par l'adepte entre feu, lumière, et esprit. Il y revient plusieurs fois, ainsi s'agissant spécifiquement du feu secret. Ce feu ou cette eau ardente elle est l'étincelle vitale communiquée par le Créateur en la matière inerte. C'est l'esprit enclos dans les choses, le rayon igné, impérissable, enfermé au fond de l'obscure substance, informe et frigide. Nous touchons ici au plus haut secret de l'œuvre. La citation est extraite du mystère des cathédrales. C'est une des raisons qui m'ont conduit, il y a quelque temps, à qualifier l'alchimie fulcanélienne d'alchimie de la lumière, les expressions d'alchimie du feu ou de l'esprit m'étant apparues trop ambiguës ou trop vagues. Mais je me suis tout de même réjoui de voir Léo Krugerman tendre vers celle d'alchimie spirituelle. Et de constater qu'en exergue à son essai, il a placé cette citation des demeures. Captez un rayon de soleil, condensez-le sous une forme substantielle, nourrissez de feu élémentaire, ce feu spirituel corporifié, et vous posséderez le plus grand trésor de ce monde. Lumière solaire, mais aussi lunaire, nous explique Fulcanelli dans Le Mystère, cette fois. Dans le symbolisme des métaux planétaires, c'est la Lune qui reçoit les rayons du Soleil et les conserve secrètement dans son sein. C'est la dispensatrice de la substance passive que l'esprit solaire vient animer. Marie, Vierge et Mère, représente donc la Forme. Élie, le Soleil. Dieu le Père est l'emblème de l'esprit vital. De l'union de ces deux principes résulte la matière vivante soumise aux vicissitudes des lois de mutation et de progression. C'est alors Jésus, l'Esprit incarné, le feu corporifié dans les choses telles que nous les connaissons ici bas. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.